Et la mission d'Interstellar Lab, c'est de créer effectivement des environnements contrôlés, donc soit des bulles qu'on va appeler des biopodes, soit des cubes qu'on a designés pour la NASA, qui s'appellent on les appelle des nucléus. Ça reste toujours des pods, donc c'est toujours soit des boîtes, soit des bulles gonflables. Et à l'intérieur de ces structures, en fait, on va recréer de manière autonome des climats. Donc on va jouer sur la température, l'humidité, la lumière, l'irrigation, l'atmosphère, donc les niveaux de CO2, d'oxygène et différentes variables. Et en fait, on va, de manière complètement autonome, donc on met des petits ordinateurs à l'intérieur de nos systèmes, on va recréer des climats pour faire pousser des plantes spécifiques. Et du coup, bah, effectivement, sur Terre et dans l'espace. Donc, c'est un peu la spécificité d'Interstellar Lab, c'est qu'on s'attelle à la fois à préserver le vivant sur notre planète, mais en même temps à l'emmener en orbite basse, à l'emmener sur la Lune, et puis un jour sur Mars, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.